con la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta pa' el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM pa' que invite. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous embarque chez moi, un week-end, on va faire un bon pondu accompagné de notre poisson merlu. Vous allez voir comment je vais le faire, vraiment super délicieux. Pour commencer, je vais d'abord aller mettre le feuille de manioc au feu. Je vais laisser bouillir pendant 45 minutes avant d'aller mettre les ingrédients. Après cela, on va commencer à nettoyer les poissons merlus. Alors, je vais commencer par vider les poissons et enlever les écailles. Et après, on va bien laver ça avec le citron. Si vous n'avez pas les citrons, sentez-vous libre à utiliser le vinaigre. Alors, je vais revenir sur le poisson après, mais en attendant, je vais commencer avec les ingrédients. Alors, je vais juste aller éplucher le gingembre. Je vais aussi mettre un peu de l'oignon rouge et blanc. Et je vais mettre aussi de l'ail. Et je vais juste aller tout mixer. Voilà, là je finis avec les ingrédients que je mettrai dans le poisson. Alors, je vais juste aller presser le jus de citron pour bien nettoyer le poisson. Voilà, je vais faire ça tout de suite. Et puis, on va mariner le poisson. Une fois mis les ingrédients qu'on a écrasés ensemble, je vais juste aller rajouter les épices. Je vais mettre un peu de végétal, des bouillons de poulet et puis du poivre noir. Si vous n'avez pas les poivres noirs, vous pouvez aussi mettre la muscade. Ce n'est pas un problème. Et après, je vais rajouter un peu de sel.
Voilà, on a fini avec les poissons. On va commencer avec la sauce sans tomate, ma sauce préférée. On va commencer par mettre le poivron vert et on va rajouter le poivron rouge et jaune un peu plus tard. Là, je vais mettre le poireau que j'ai déjà découpé et congelé. Voilà. Là, je vais juste mixer. Comme ça va me donner plus de l'espace. Là, je vais rajouter le mélange de poivron rouge et jaune. Voilà. On va bien mélanger. Comme ça, on va réaliser notre sauce. Le poisson merlu avec la sauce sans tomate. Non, 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 non. Trop bon. On va commencer par faire revenir les oignons blancs et rouges. Voilà. Avec le même l'huile qu'on a pris les poissons avec. Comme ça, on va garder tous les goûts pour nous-mêmes. Après 2 minutes, on va rajouter le mélange de poivrons qu'on a écrasé ensemble. Voilà, tout simplement comme ça. Et je vais faire revenir pendant 2 à 3 minutes et on va rajouter encore les épices. Comme ça, on aura un très très bon goût. Donc voilà, tout simplement comme ça, mais super délicieux. Alors, si vous avez jamais essayé le poisson merlu, je vous le recommande. C'est très bon. Très très bon même. Voilà, là on a rajouté un peu de végétal et un peu de bouillon pour ajouter les goûts. Et le reste des ingrédients qu'on avait marinés avec le poisson, on va aussi rajouter ça. Et on va mettre un peu d'eau. Voilà, la sauce est très simple mais super bonne. Après avoir rajouté de l'eau dans la sauce, je laissais la sauce cuire pendant 5 minutes. Et là, après, je mélangeais avec le poisson. Une fois mélangé avec le poisson, je vais juste baisser le feu entre 2 et 3. Vraiment un feu très doux. Comme ça, on va laisser la sauce pénétrer le poisson. Là, j'ai rajouté les piments. Là, la sauce est pratiquement prête. Le poisson est bien cuit. Donc, du coup, on laisse seulement pendant 15 minutes. Voilà, là, on attaque le feuille de manioc. Là, vous avez vu les ingrédients. Nous avons le poivron vert, concombre, on a le poireau, ail, oignon. Voilà, je vais juste aller tout découper et mettre dans le mixeur. Voilà, une fois coupé tous les ingrédients, je mets dans le mixeur. Alors, je vais juste aller mixer et on va rajouter aussi de l'ail. C'est très important de mettre de l'ail dans le pondo, ça donne un très bon goût. Là, voilà, je vais rajouter le poireau et puis de l'ail. On a aussi mis de l'aubergine, bien évidemment. Donc, on mélange les tout. Voilà, 45 minutes plus tard, on va rajouter tous les ingrédients qu'on vient de mixer. Je vais rajouter un peu d'eau et après, on va rajouter le poisson fumé, tout simplement comme ça. Et aussi, je vais rajouter un peu de pichard. Voilà. Et après, on va rajouter les goûts. Donc, on va rajouter un peu de bouillon, le végétal et puis la glutamate. Je vais rajouter ça aussi. Voilà. Juste un peu. Et après, on va couvrir, on va laisser cuire pendant 30 minutes, 30 à 45 minutes, avant d'aller rajouter de l'huile. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, le poisson est prêt. Regardez-moi la sauce sans tomate. Le goût de ça. Très bon. Là, 45 minutes plus tard, je vais faire revenir l'huile de palme.
et mélangé avec le poireau. J'avais juste mis un peu de l'huile. J'avais envie de manger un pondo avec moins de l'huile de palme. Il y a des jours que j'ai envie de manger un bon pondo avec beaucoup d'huile, mais ces jours-là, je voulais pas mettre beaucoup d'huile. Donc voilà, on a fini avec notre recette. Regardez-moi le poisson. Voilà, le feuille de manioc, les amis, on avait très bien mangé. Souhaitez-nous bon appétit. C'était trop bon le goût de ça. Alors moi, je vous fais des très gros bisous. Alors, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. Mouah, mouah, bye bye.